Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve après un petit temps sans vidéo. Effectivement, j'ai eu des petits soucis de santé. Plusieurs fois chez le médecin, plusieurs fois malade. Et plus voilà, le permis, la voiture, tout ça. Vous êtes au courant, donc c'était un peu compliqué. Donc ça faisait là une semaine que j'avais pas tourné. Mais la semaine dernière, j'ai quasiment pas tourné parce que j'étais plusieurs fois. Donc déjà, quand je prends la voiture, je tourne pas. Donc 3 jours avec la voiture par semaine. Plus ces jours où j'étais pas dispo, pas machin, des trucs un peu imprévus qui m'est arrivé. Des problèmes, le téléphone pas chargé, la batterie de la caméra pas chargée, enfin voilà. Ça fait 3 semaines que je galère pas mal, je manque pas mal de temps. Mais ça y est, j'ai du temps et je commence à reprendre le rythme tout simplement. Donc, on va passer par là. Je vais reprendre le rythme tranquillement. Je devrais retomber à j'espère 4 vidéos par semaine si possible. Il va avoir pas mal d'évolutions parce que voilà, il y a des choses qui m'attendent prochainement. Je vais vous teaser sans trop vous en dire. Voilà, peut-être un nouveau passage de permis, peut-être des vlogs en voiture, certainement changement de nom de chaîne, etc. Voilà, je suis en train de me tâter sur plusieurs choses parce que voilà, je souhaite un peu évoluer et pas rester que sur de la gyro-roue. Vous faire un peu plus de présentation de matériel, etc. De micro-caméra que j'ai jamais faite et que je devrais faire depuis une éternité. Donc je vais essayer de me remotiver un peu et de reprendre un peu ce que j'avais entamé, ce que j'avais commencé. Je vais le reprendre plus sérieusement, tout simplement. Donc c'est une petite période de transition tranquille, on va dire. Et je vais me relancer dedans. Et j'ai donc du coup des projets pour la chaîne. Je suis pas méchant, c'est ça le problème. Donc il va avoir certainement de nouveaux types de vlogs, des nouveaux tutos, des nouvelles présentations de matériel qui sort du matériel de la gyro-roue pour d'autres activités tout simplement. Je vais aussi vous présenter mon matériel que je me sers pour ma protection en gyro-roue pour éviter d'avoir un accident. Faut que je vous fasse les tutos sur les douleurs en gyro-roue et j'en ai beaucoup en ce moment. Je vais vous parler un peu aussi certainement de la salle de muscu parce que voilà, je m'y suis remis, je me suis inscrit dans une vraie salle sérieusement, etc. Et je commence à refaire des vraies séances. Donc quand je vais reprendre un peu, peut-être je vous en parlerai un peu, etc. Donc voilà, beaucoup d'évolutions ce mois-ci et ces 2 mois derniers, d'où le manque de vidéos. Problème aussi, chargeur qui était retombé en panne, que j'ai re-reçu depuis, qui fonctionne. Mais cette fois-ci, j'ai assuré mes arrières, j'ai commandé une autre marque chez les Chinois, un autre chargeur à une vingtaine d'euros, pareil, au cas où, en cas de problème, en cas de pépin avec l'officiel, parce qu'il a l'air d'avoir tendance à cramer facilement, c'est le deuxième que je crame, tout simplement. Donc voilà, je préfère assurer mes arrières pour me retrouver encore une semaine ou 15 jours sans roue, quoi. Tout simplement. Donc l'autre, je le laisse au bureau, l'officiel, et je me trimballe avec l'autre, comme ça, si un jour j'ai un problème, bah, j'irai au travail chercher l'officiel, et comme ça il sert à me charger quand je suis au travail, ça me permet de moins charger mon sac. De toute façon, quand je suis en cours, j'ai un sac énorme avec mon PC, donc je suis plus au poids d'un chargeur près. Donc voilà, comme vous voyez, hein, les gens qui laissent toujours pas passer, ça a pas changé dans Versailles. Hein. On reprend les bonnes habitudes. Là, j'ai un peu de temps, on va faire un trajet un peu plus long parce que j'ai des choses à dire. J'ai aussi trouvé des nouveaux chemins intéressants que je pourrais vous montrer en vidéo. J'ai plein de vidéos, des idées qui reviennent. En fait, comme je sais pas si vous l'avez dit, mais j'avais une liste d'une quarantaine d'idées de vidéos et j'ai tout supprimé, je me suis trompé. Et voilà, donc je commence à avoir des idées, à retrouver des choses que je voulais faire. Je vais commencer à me relancer un peu, je vais refaire un peu tout ce que je m'étais engagé à faire. Et voilà, je vois que la chaîne grossit un peu, je referai un vrai bilan sur les chiffres d'ici 1 ou 2 jours comme d'habitude. Voilà, c'est très important que vous compreniez que la chaîne va évoluer et je vais avoir besoin de vous aussi dans certaines choses. J'ai plusieurs questions que je me pose. J'aimerais beaucoup, mais je pense pour l'instant on n'est vraiment pas assez nombreux, mais ce serait prendre un peu le principe du Périscope ou des lives. Donc vous connaissez beaucoup plus, je pense, les lives. Donc c'est tout simplement une vidéo où je suis en direct, je me filme dans la rue en train de rouler en direct. Et vous pouvez poser vos questions en direct si vous avez des questions à poser. Vous pouvez directement les poser. Et donc du coup, vous les écrivez, moi je lis le message et je vous réponds en instantané avec ma voix, avec mes explications. Un peu faire des FAQ, des foires aux questions, quoi. En live sur la gyro-roue, ça peut être sympa. Alors, je suis en train encore de réfléchir comment ça va se passer niveau sécurité pour que je puisse lire, répondre. Il ne faut pas que le message soit trop long, etc. Donc il y a peut-être des règles ou voilà, où je répondrai pas, je pourrais peut-être pas répondre à tout. Pareil, j'essaierai de voir peut-être pour voilà, faire ça dans un endroit, un bel endroit dans les paysages. Comme ça, si je suis
En randonnée, je peux rouler lentement, il n'y a pas trop, il y a que des piétons autour, donc c'est beaucoup moins dangereux que là au niveau des voitures et des passages piétons. Donc voilà, je suis en train de réfléchir un peu à ce concept, j'attends qu'on grossisse un peu, et quand on sera un peu plus nombreux, je pense que je ferai ça. Je sais pas si vous connaissez l'application Periscope, c'est une application qui permet partout dans le monde de voir des gens, de parler avec eux, enfin, qui se filment, qui parlent de leur vie, qui conduisent, qui fassent un numéro de cirque, de la danse, machin, voilà. Ça permet de se faire connaître, et je pense que je vais peut-être essayer de voir pour me lancer aussi là-dedans, pour me faire un peu plus voir. Et donc du coup, forcément, bah, vous pourrez participer, poser des questions, on pourra blablater. J'ai un souci là-dessus, c'est que je pourrais pas récupérer la vidéo, je crois pas. Donc ça m'embête un peu, dans le sens où ceux qui ratent, bah, ils ratent, quoi. Donc je peux toujours faire un truc, un petit bonus en plus quand j'ai du temps. On va voir, je vais y réfléchir. Problème de tout ça, c'est que vu que c'est du live, bah si vous êtes pas là, bah il y a personne et je m'ennuie et ça fait un gros blanc et ça fait une vidéo pourrie. Donc peut-être après reprendre la rediffusion, la recouper en morceaux, etc. Voilà, j'y pense. Je pense aussi à faire vraiment me diversifier un peu plus et ne pas rester bloqué sur ce que je fais actuellement. Je pense que c'est important et j'aimerais avoir votre soutien là-dessus. Et aussi, il va falloir que je change mon nom. J'hésite entre plusieurs noms de chaîne. J'y réfléchis encore. Je vais vous mettre un peu, je pense, peut-être demander, etc. Mais pour ça, il faut que je fasse une annonce officielle sur autre chose qui va m'arriver, que vous allez vivre avec moi. Donc, je vais attendre d'avoir fait cette vidéo, donc théoriquement samedi. Samedi matin, si tout va bien. Et on verra après tout ça. Vous allez voir, ça va aussi donner plein de sujets de discussion et plein de nouvelles idées de vidéos, parce que j'en ai déjà un paquet avec nos nouveaux projets, voilà. Donc j'ai vraiment plein de projets, plein d'idées, diverses et variées. Je pense que ça peut vraiment être intéressant de faire ça ensemble, d'évoluer ensemble, parce que certains, voilà, vous pouvez vous dire, je suis là depuis le début. Et je pense que c'est sympa, donc je vais vous laisser, je pense là-dessus, je pense que j'ai à peu près tout dit, le calepin qui touche, ça fait toujours plaisir. Donc je pense que je vais, voilà, vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à dire des choses que vous aimeriez voir, avoir en vidéo, des tutos, des machins, il n'y a pas de souci. Moi, quand je suis dispo, je les ferai. Je m'excuse encore de mon absence et de ma non-présence un peu, même si je réponds sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Mais voilà, j'ai aussi un projet de faire une intro pour la chaîne ou peut-être et ou une outro. Donc voir, moi j'ai quelques capacités, il faut que je m'y remette. Ou alors trouver quelqu'un qui me le fait pour pas cher, on va dire. Ou voir en cadeau. Peut-être contre un placement de produit pour quelque chose qui vend, ou alors il me fait la vidéo en échange, du coup je lui fais de la pub, voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un dans ce domaine-là, n'hésitez pas à me communiquer le nom. Et ensuite, aussi oui, je pense essayer de voir pour créer un petit blog où je pourrais du coup mettre les vidéos et faire un petit compte-rendu en dessous, un petit message pour voilà, ceux qui n'ont pas le temps de voir la vidéo, qui sont au taf ou autre, et que ça leur permettrait de savoir de quoi ça parle, d'avoir un petit tuto écrit, une petite explication écrite, voilà, sans se prendre la tête. Donc je vais voir un peu ce que je peux faire, je vais essayer de trouver du temps pour faire ça. Voilà, beaucoup de projets pour 2017 et beaucoup d'idées. La motivation qui remonte un peu et le temps manqué un peu moins dispo avec tous les soirs la salle de muscu, etc. Et le projet que je vais vous présenter dans la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Mais voilà, ça me tient à cœur, je pense que c'est important, ça va être intéressant et je pense que ça va en plaire à beaucoup beaucoup d'entre vous, surtout si vous aimez Giro, vous allez aimer mon nouveau projet. Je vous laisse là-dessus, je sais que c'est un peu du teasing, mais voilà, vous n'allez pas regretter d'être teasé là-dessus. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.